Salut tout le monde, c'est Justine. Alors, je fais des vidéos à la suite des jours parce qu'il y a eu un manque. C'est pour ça que j'ai envie de me rattraper. Et de toute façon, je suis de retour pour une nouvelle. Voilà. Alors, dernière fois, il y a eu le tag ma chanson qui, n'hésitez pas à la voir. Et merci au filmeur, Benjamin, je t'adore. Et si tu vois la vidéo, réponds sur Skype. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un livre. Oui, c'est à l'inverse. C'est Laurent Baffie, les 500 questions que personne ne se pose. Désolée, je suis de retour. Mon chien faisait des bêtises. Alors, désolée si vous l'entendez. Voilà, hein, il est enfermé puisque j'ai fait des bêtises. Alors, aussi, merci pour le conseil pourquoi il était par terre. Merci. Alors, quel est l'intérêt pour un aveugle d'habiter les beaux quartiers? Voilà, c'est des questions toutes. Voilà, des questions vraiment. Mais ce que j'adore, c'est que c'est là où il y a les mains. Là pour tenir les pages. Voilà, il y a des petites images de lui pour tenir les pages. Et à la fin, mon préféré, je pense. Et voilà, il tient. Papier de toilette. Voilà. Là, on le retrouve assis en train de méditer sur des questions et sur la page de couverture. Voilà, je l'ai. Enfin, c'est un de mes proches qu'il a eu pour Noël. Du coup, il a passé à mon frère que j'ai pu récupérer pour faire une petite vidéo dessus. Et je suis pas très non plus littéraire. Enfin, j'adore lire, mais je suis pas non plus à lire les questions comme ça. Je peux aussi lire les livres. On va dire qu'ils sont pas intéressants les autres livres, mais genre Platon et tout. Voilà. Justement, j'allais dire que je suis pas du tout littérature, je vais faire un bac littéraire. Enfin, je pense déjà à mon bac littéraire. Hein. Je n'ai que 10 ans. Enfin, c'est bientôt mon anniversaire. Voilà. Est-ce que vous pourrez me fêter? Voilà, j'attends beaucoup le bon anniversaire, c'est le 24. Voilà, je sais pas combien on est. Non, ça dit que. Enfin, je sais que c'est un mois de février, voilà. Justement, merci pour les cadeaux en avance, les pauvres. Ah, ils savent bien que je ne peux pas attendre. Bon, parlons plutôt de ces livres. Alors, un chien s'est-il déjà cassé une patte en glissant sur une merde d'homme? Je suis tombée sur une page au pif. Si vous voulez la voir, c'est la 230. Voilà, la 500. Je pense que c'est la bonne. Bonne chute, sa mère. Ah! Pourquoi vouloir aller au bout du monde alors qu'on y est déjà? Bonne question, ça. Parce que si on fait le tour du monde, ça veut dire qu'on l'a déjà fait, je pense. C'est bizarre. C'est la question que tout le monde se pose. Que personne ne se pose en plus, hein. Si moi je me l'ai pas justement. Peut-on faire pousser du poivre dans les salés? Gros vide là. Voilà, même la télé fait un gros vide. Quelle est l'espérance de survie d'un tatoueur nul en orthographe? Oui, mais un tatoueur, ça fait pas que des messages, ça peut faire des dessins. Voilà. Alors, Laurent Baffie a ce livre. La cote, elle est comme ça. Bien, ouais, c'est jamais comme ça. Non, vous ne voyez jamais, vous voyez tout à l'inverse. Regarde, ouais. Alors, Kero, voilà. Le mec passif. Je ne sais pas du tout. Ah, il coûte 15,80€ si vous voulez acheter. Voilà, prix. Qu'on aurait pu enlever, je pense, mais c'est pas grave. Après tout, photo de l'auteur Jean-Marie Perry, photo 12. À la page 12, c'est ça? Je comprends. Si je comprends. Ah, première question, c'est quoi? Une éphémère peut-il proquer? Je comprends pas la question moi-même. Non, allons à la page 12. Il n'y a rien. Ah, là c'est écrit en gros, mais c'est pas très long. Gianni Longo a-t-elle encore ses cycles?
ce cycle de règles, mais je comprends pas. Les téléphones arabes s'écoutent-ils à droite ou à gauche? C'est vrai, personne par contre se pose cette question. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Tiens, j'ai choisi ce livre car c'est quand même un livre, on va dire, et qui porte sur l'humour. Alors, si je fais ça, vous me regardez un peu la tête, c'est pas que j'ai des poux, hein. C'est que, vous savez, là, le truc L'Oréal pour faire pousser les cheveux que j'ai testé de ma mère, ça fait comme si vous avez des poux, mais en sûr, j'en ai pas, je vais passer le peigne à chaque fois, justement à cause de ça. Voilà. Confusion. Une odeur de... Je remets sur la question qu'il ne fallait pas poser. En plus, c'est pas une odeur, c'est un donneur de sperme. Alcoolique anonyme, n'a-t-il pas soif de reconnaissance? Là, j'ai vu les moches. 73/41. Les moches mettent-ils un point d'honneur à sucer mieux que les belles? Ah, mais en fait, c'est pas du tout un livre humoristique, c'est des questions perverses, ce truc. Je pense que c'est plutôt un truc pervers, voilà. Acheter deux pervers, voilà. Non, mais j'en suis sûre qu'il y aurait des questions, c'est comme ça. Alors là, il m'y a quelques questions que je vais vous lire tout de suite. Si j'ai le temps, oui. Quel est l'intérêt pour un aveugle d'habiter les beaux quartiers que je vous ai lus? Ah, j'ai cru qu'il avait oublié les points d'interrogation. C'est quoi ça? Je zoom. Est-ce que la mère Michel sait au moins où est ça? Où est sa chatte? Comment vous dire que cette... on va dire cette... cette question me perturbe. Si j'ai un peu de vermina, c'est parce que je me suis prête à faire. Oh, je crois pas. La question que je ne comprends pas. Une éphémère peut-il procrastiner? Dites-moi ce que ça veut dire en commentaire. Là, y a-t-il des ours bipolaires? Bonne question ça. Voilà. Le côté inné, c'est acquis. C'est français, je sais même pas ce que ça veut dire. Les femmes de bricoleurs ont-ils des clitos suisses? D'accord, non plus. Enfin, à peu près, on va dire. Quelle est l'espérance de vie d'un drag queen? Drag queen, c'est les mecs qui se transforment en femmes, je crois. Enfin, qui se transforment, qui s'habillent en femmes, non? Tu as ma mallette? Maquillage. Au Pakistan. Drag queen au Pakistan. Je sais pas moi. Doit-on vermifuger les poètes? Et what? C'est quoi ces questions de merde? Si les bi sont plus ouverts, les tri sont-ils plus sélectifs? Le tri sélectif, j'ai compris, je pense que c'est... Si les bi sont plus ouverts. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo quand ce sera 10 minutes. Je vois qu'on est 8 minutes 44. En plus, je fais trop littéraire, quoi. Ouais, non, avec mes lunettes, genre. Oui, je l'ai fait. C'est la question la plus longue au monde, quand même, hein. Je vais vous la lire, peut-être, pour qu'on aille à 10 minutes. Une abdomen sur la paspermie écrit une boustrophédon sur une palaise bête, éculable et bourrée. Peut-il provoquer chez une intérieure latitudinaire et calipige, je pense. Une érotophobie monorale susceptible de l'hémosquelée
au point de créer chez une diaphoreuse qui mûrait à son entéléchi. Bon, 10 minutes 10, ça tombe bien. Voilà, c'était la question que la plus longue du livre. Je pense qu'il n'y en a pas une qui prend deux pages, ça serait bizarre. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, n'oubliez quelque chose, moi là, non. N'oubliez pas de mettre aussi un commentaire, d'aimer et bien sûr de partager sur tous les réseaux sociaux. Je vous conviens, j'ai Twitter, mais je pense qu'on va créer une chaîne plutôt communautaire, vu que je commence à avoir quelques abonnés. Je fais beaucoup de vidéos, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup. Mais je vais vous dire déjà merci pour tous vos abonnements, pour tous vos vues. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui like, je ne sais pas si j'irai voir. Mais merci déjà pour tous vos soutiens. Merci ceux qui me connaissent, qui m'encouragent à faire des vidéos. Merci à ceux qui arrivent à me filmer. Merci à ceux qui m'encouragent. Merci à vous, c'est grâce à vous. Je sais que c'est un peu tôt pour dire ça, je vais me lancer, mais j'ai vraiment envie de vous remercier puisque au début je me sentais un peu mal d'aller sur YouTube, surtout à cause de mon poids. Je n'ai pas un surpoids, mais je pense qu'on va parler de ça si je fais un tag. Je crois que c'est Amy. Je pense qu'on verra. Voilà. Allez, je vous laisse. Mais merci pour tout. Allez.